Je fais de la danse. J'ai étudié la danse pendant 6 ans, donc après le secondaire. Donc après 16 ans, je suis allée dans des écoles post-secondaires pour apprendre la danse, donc être formée en danse. Puis en 2014, j'ai gradué de l'école de danse contemporaine, puis j'ai fait un projet personnel. Mon projet personnel de fin d'études était de reconnecter avec mes racines, donc d'aller dans 4 communautés différentes pour en apprendre plus sur les communautés, sur les nations. Et mon but, c'était d'aller de présenter une danse contemporaine à saveur amérindienne. J'ai déposé ce projet-là en 2014. En 2015, la vie m'a menée vers la restauration. Puis, c'est ça. En fait, c'est plus fin 2014. Puis, début 2015, j'ai voulu apprendre la Fancy Shawl, qui est une danse powwow. Donc, je suis partie à Vancouver en mars 2015. J'ai rencontré Curtis Joe Miller, qui est mon mentor, qui a été mon mentor pendant 4 mois, qui m'a appris la danse, la sculpture sur bois, l'artisanat, le beadwork, comment coudre. Il m'a amené à mes premiers powwows, il m'a donné mon régalia à ma fête de 24 ans en avril 2015. Puis c'est ça. Il a été d'une grande générosité. Puis ça a été une personne qui m'a aussi challengée au niveau personnel. Puis ça a été formateur pour moi dans tous les sens. C'est ça. Donc je fais de la fancy shawl quand je suis revenue de Vancouver. J'ai montré ça à ma famille, que j'avais appris la fancy, puis que j'étais vers un nouveau départ. Puis j'ai commencé à faire ça vraiment professionnellement. J'ai rencontré des groupes de tambour qui ont voulu, dans le fond, que je danse avec eux dans des événements corporatifs, dans des écoles. Éventuellement, j'ai approché aussi des centres culturels qui ont voulu aussi intégrer des ateliers dans leur milieu. Donc, j'ai enseigné la danse. Et ça a grandi comme ça. Ouais. J'ai enseigné à des personnes d'environ 30 ans et plus, même 40 ans et plus, à des personnes, à des étudiants de 4e secondaire, donc ça équivaut à 15-16 ans, puis aussi à des jeunes.